Le Roadster Mazda MX-5 est classé meilleur achat de sa catégorie par le Guide de l'Auto 2018. Voici pourquoi. Les ingénieurs de Mazda ont compris ce que Colin Chapman, génie parmi les génies et créateur de la marque Lotus, avait compris il y a 60 ans, le poids est l'ennemi numéro 1. Ils ont donc combattu ce fléau et en sont arrivés à une voiture d'à peine 1000 kg, ce qui donne un rapport poids-puissance très avantageux à la MX-5, qui boucle le 0-100 km/h en moins de 7 secondes grâce à son moteur 4 cylindres 2 litres, développant 155 chevaux et un couple de 148 livres-pieds. Conduire le Roadster MX-5, c'est faire l'expérience de conduire une voiture parfaitement équilibrée, procurant à son pilote une impression sans pareil de maîtrise de la route. Le levier de vitesse de la boîte manuelle est d'une exquise précision. Sa course est courte et juste assez mécanique pour de belles sensations. Et l'embrayage est d'une fermeté parfaite. Bref, c'est une petite merveille. Le toit souple de ce Roadster est un modèle de simplicité et de légèreté. Il se manipule du bras droit sans même se lever du siège du conducteur. Une fois ouvert, ce toit n'empiète pas dans le coffre. Au cours de 2017, un nouveau modèle a été lancé avec la MX-5 RF pour Retractable Fastback, qui est doté d'un toit rigide qui se rétracte dans le coffre en 13 secondes, le temps que ses quatre parties s'y insèrent ou s'y délogent dans un balai dont on ne se lasse jamais. Ce toit, une fois refermé, fait de la MX-5 RF un coupé sport plus silencieux que la MX-5 normale et il est loin d'altérer la ligne de la voiture. Au contraire, il lui donne une personnalité propre. Cette personnalité se reflète aussi dans la vocation différente des deux Roadster MX-5. Le Roadster MX-5 continue d'être la référence de sa catégorie et sa popularité va encore augmenter avec l'arrivée du modèle RF.